Bonjour, 12 heures après, 12 heures après, ben c'est après la nuit. Donc hop, qu'est devenu le chef? Alors le chef, il a largement gonflé, doublé. Donc ça veut dire qu'il est bien vivant. Et là, on va faire une opération. On va à nouveau le gaver. Donc rajouter 100 grammes de farine, 100 grammes d'eau. Mais pour que ça fonctionne et pour pas qu'on rentre dans un gavage exponentiel, eh bien on va enlever une grande partie du levain. Pour ne garder que l'équivalent d'une tasse à café, comme hier. Oui, alors ça fait un peu mal au cœur parce qu'on va jeter ce levain-là, mais c'est comme ça. Sinon, vous allez être dépassé par votre chef. Il faut jamais être dépassé par son chef. Je vous rappelle que vous êtes en train de le gaver, et donc il faut garder le contrôle complet du chef. Voilà, je garde une bonne tasse à café. Je rajoute la farine. Je vais remuer, je vais mélanger l'eau, et on va tout laisser reposer pendant encore 12 heures. Donc là, c'est le matin aujourd'hui pour moi. Donc dans 12 heures, en fin d'après-midi, eh bien, on viendra rafraîchir encore une fois le chef et observer. Comment il réagit? Est-ce qu'il a doublé, triplé? Quelle est son odeur aussi? Est-ce qu'il perd sa mauvaise odeur? Et ce sera les signes qu'il va falloir observer pour arrêter le gavage et passer à la phase de la panification. Voilà. À dans 12 heures.